quelqu'un qui connaît pas le rugby, je crois. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le match. Alors, tu disais qu'il n'était pas important, Pays de Galles, Fidji. Moi, je te dirais attention, parce que si les Fidji vont être en charge, c'est sans doute leur dernier match de la Coupe du Monde. Ouais. Mais si les Fidji battent le Pays de Galles, ce qu'ils ont fait en 2007, en Coupe du Monde, eh bien, le Pays de Galles perdrait sa première place de poule. Et puis aussi, il me semble, hein, je veux info à vérifier, mais la troisième place est synonyme de qualifié automatiquement. Après, de toute façon, il va être premier parce que la... Oui, parce qu'ils ont battu la Géorgie. Ouais, mais attends, ils ont perdu contre l'Uruguay, les Fidji, quand même. Oui, mais ils auront... Ah, oui. Donc la troisième place sera importante. C'est vrai, ça, j'avais pas entendu. Oui, mais non, parce qu'ils ont pris des bonus quand même. Ouais, peut-être. Oui, mais si les. Je suppose. Bonus. Et oui, parce que. Non, je pense que ça devrait être OK. Mais en tout cas, le Pays de Galles, ils doivent gagner. Parce qu'ils perdent la première place et qu'ils se retrouvent à affronter l'Angleterre plutôt que la France ou l'Argentine, voilà. On va être un peu dégoûté. Oui. Oh, et Jonathan Davis. Allez. Mata. Jonathan Davis, un centre qui fait pas trop parler de lui, mais qui est, je pense, un des meilleurs de la Coupe du Monde. Hein. Il est vraiment très fort. Allez, Norse, Evans, et Falei. Ah, mais pourquoi j'ai Falei Tao? Normalement, il n'est pas là. Non, j'ai solo. Oh non, Josh Navidi. Navidi, il est ou pas à la Coupe du Monde? Oui, Navidi. Il y a que Falei Tao, je devrais pas l'avoir. Ah, bah, allez, moi, c'est pas grave. Gars, Rob Evans qui retrouve George Norse. George Norse qui aime bien les passes de. De Vahamaina. Voilà, Sébastien Vahamaina. L'école de Bernard. A plus Tipex. Bonne nuit. Allez, George Norse. Le retour de Mafou. Pour l'instant, ça conserve bien, mais ça défend bien. Domination galloise, on tente le petit côté. Jonathan Davis. On la passe un peu hasardeux. J'ai mis à départ au centre. Peut-être écarté côté. Alumin Jones, mais c'est dangereux d'écarter. Oula, c'est Ken Owens, c'est un pilier, c'est bon, on va y aller avec. Attention, Liam Williams, on y est. Elle est en avant la passe. C'est les Fidji, ils ont tous les droits. C'est bon, Navidi était là. Et voilà, comment Moriarty, le joueur qui aurait pu jouer pour le 15 d'Angleterre et qui a décidé de. Attention, le démon, Mori Valou. Attention. Oui, c'est pas le professeur Moriarty. La flèche. Non, mais c'est Ross Moriarty. Oh, attention à ça. Qui a son. De mémoire, son père a joué pour l'équipe du Pays de Galles, mais il pouvait jouer avec l'Angleterre au début parce qu'il a été entraîné en Angleterre, il vit en Angleterre. Il faut arrêter de voler les Anglais surtout. Tu regardes le nombre de joueurs du Pays de Galles qui est anglais, en fait, t'aurais pas idée. Un certain, par exemple, George Norse est anglais et pourrait jouer et aurait pu jouer pour le 15 d'Angleterre. Non, bon, après, faut comprendre, c'est des pays tellement proches que. En vrai, ouais. Mais attends, je fais un truc que tu préfères, tu vas avoir le Pays de Galles ou l'Australie en cas. Mais moi, je préfère affronter l'Australie. Donc, c'est pour ça que je suis content. Oui, et d'ailleurs, c'est logique que le Pays de Galles ait battu l'Australie. Oui. Donc, voilà. Mmh. Allez, tu as bien tenu. Falei Tao, que d'activité de Tuloupé. Falei Tao qui retrouve son pilier pour le premier essai gallois. Alors, on a mis un match de 15 minutes, donc tu auras du temps pour. Voilà. Domination galloise pour l'instant. Oui. Mais là, Falei Tao, il a fait la. Alors que normalement, il a la clavicule pétée. Il De quoi ? Les Australiens ont eu un grand trou pendant 40 minutes. Ouais, bah après, est-ce que les Gallois se sont pas un peu relâchés aussi à la fin du match et ça a failli leur coûter cher ? Bon, de toute façon, les deux équipes sont bonnes et les deux équipes seront difficiles à prendre encore. Oui. Mais je préfère malgré tout. Dan Bigard, le petit jeu au pied à suivre. S'il a vu qu'il allait être plaqué pour mettre la pression sur les 5 mètres fidjiens. Oh, et tu t'en sors bien. Il s'en sort très bien avec cette petite chistère. Il veut mettre un essai à la Toulonnaise. Oui. Il y a un jeu de merde. Pour les Gallois, je pense que c'est mieux de prendre la France que l'Angleterre. Oh, tu sauras. C'est sûr. Allez, c'est pas la première couverture avec George Norse. Voilà, tu sais. Après, les Français sur un match. Ouais, c'est une autre époque, ça. Sur un match, la France, elle peut battre tout le monde. Avant on disait ça, on s'est bien fait ça. Oh non, dommage, je voulais poursuivre au pied. Comme disait un Anglais, là, il a dit s'il y a des gars qui veulent jouer pour le stick, c'est pas la France. Il a dit Daniel Yves Péfan. Non, c'est un Anglais qui a dit ça, mais. Oui, mais c'était avant, c'est l'équipe de France d'avant. Maintenant. Est-ce que Yves Péfan serait pas meilleur que Raka? Je sais pas.
C'est vrai, XPF1 fait un bon début de saison, mais Raka. Et Raka fait un mauvais début de Coupe du Monde, on est d'accord. Ouais. Raka, il a fait un mauvais match contre les États-Unis, donc après avoir sorti ce moment-là. Voilà. On verra là. Enfin, là, la vidéo sortira, je crois, un jour après le match de la France. Face au... Peut-être qu'il s'est rattrapé face au Tonga. Oh, alors, les Fidji en mol, c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Arrêtez net. Ozel, Radradra. Oh, il l'a affûté. Terrible raffut de Radradra qui avance, qui gagne des mètres. Mais non, qu'est-ce que tu fais, Adley Parks? On veut jouer. C'est pas grave, y'a pas de hors-jeu, y'a pas de hors-jeu. S'il y a encore jeu complet, on peut pas. Oui, tu sauvas. Attention, Gareth Davis. C'est bon, George North, est-ce qu'il peut revenir? On allait revenir. T'as bien fait, mais malheureusement la passe. La passe, c'est pas là que je voulais la faire en fait. Mais en fait, c'est parce que t'avais personne à hauteur, non? On l'a vu, le petit côté. Ah, pour l'info, j'ai fait exprès de l'ouvrir. Le petit côté, par contre, j'aurais pas dû. Ah, non, t'aurais pas dû, non. Mais j'avais fait exprès pour annuler l'avantage. Ça a failli coûter cher. Un peu, oui. Oh, c'est dangereux ça. Les relances dans l'axe, que ce soit en foot comme en rugby, il faut jamais. Allez, ça passe, un crochet. Un deuxième crochet. Oh, Josh Adams. Heureusement qu'il fait pas la passe. C'est, j'avais pas trop le temps, mais ça va me concert. Hein. Tu laisses le petit côté ou pas? Non. Je crois que tu m'isoles. Tu m'isoles, mais regarde, Faletao. Faletao. Il va manquer de quelques centimètres, et voilà la défense à 5 mètres. Non, on peut pas la regretter, mais. Non, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que. On est arrivé vite. C'est dangereux ça. C'est dangereux, tu t'éloignes du soutien. Il n'y a que 7-0 en attendant une demi-heure de jeu. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Jeu au pied. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Jeu au pied à la benne, voilà. Il va falloir défendre à 5 mètres encore. On aussi, hein, qui est néo-zélandais aussi. Hein. C'est bon, c'est droit, on continue, c'est pas grave. Oui, ça joue, attention. Et non. Ah. Oh. J'arrive pas à porter le coup de massue, le break. Ouais, ça devrait aller. Ce serait bien de la voler. Comme ça, par exemple. Et le mol, galant. Et là, tu vas avoir du mal à l'arrêter. Et je pense que là, Josh Navidi, il a plus qu'à y aller dans l'embut. Ah non, Navidi. Eh oui. Ah, c'était il va perdre la touche là. T'aurais dû prendre la mêlée. Ouais, mais la mêlée, c'est pareil, c'est Fidjian, c'est un début de devant très faible. Oui. Ça va faire un 14-0. Alors on n'est pas sur le 49-0 que j'ai mis à T-Rex pour l'instant. Oui, on n'est pas sur les mêmes. Et je le fais ça. Beaucoup plus concentré parce qu'à T-Rex j'aurais pu lui mettre plus que 49-0. Ouais. Allez. C'est parce qu'en fait, en gros, ça manque de respect. C'est-à-dire qu'il est nul. Ah, il faut y aller par contre. Il devait être fatigué. C'était l'heure d'aller au lit pour lui. Oui, ça c'est comme Brunel, ça, qui est fatigué. Mais non. On joue la Toulonnaise un peu. Comme ça à la Toulonnaise. Oui, à la Toulonnaise, exactement. Allez, c'est bon. C'est mal joué, quoi. Dans les rucks, on est solide. Allez, Rob Evans, Ross Moriarty, George North. Ouais, George North, c'est Randers. Dictionnaire, c'est dur de jouer. C'est dur au final de jouer avec les Fidjiens. Ça suffit pas d'avoir une grosse ligne de 3 quarts. Ah oui, bah oui. Oh, Jonathan Davis. Bon, il va falloir se réveiller en deuxième mi-temps. Je sais pas quelle est la plus grosse raclée que je t'ai déjà mis, mais. J'en ai aussi. En tout cas, on est bien parti pour la vie. Ben. On est déjà plus qu'à un essai de bonus offensif. Quelqu'un qui connaît rien au rugby. Quoi? Pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop en rugby, moi, je connais quand même un peu quelque chose. Ah, donc tu t'y connais? Oui, je sais, mais on me disait que je m'y connaissais pas, donc. Je me suis dit ça. Oui, mais. Allez, disons c'est parti. Que c'était par rapport à un truc. Allez, renvoi court de Dan Bigard. Allez, c'est pas récupéré. Comme quoi, les avant dans Rugby Challenge, c'est important. On le voit. Oui. Parce que tes arrières sont à peu près. Quasiment à peu près la même note aussi. Bien oui. Un peu trop, je crois qu'ils sont un peu trop bien faits. Non? De quoi? Les avant sont un peu trop forts, non? Ouais, bah après, les avant gallois, ils sont très forts, hein. Objectivement. Oh, pom, George North, s'il va être peut-être un peu esselé. Apparemment, il est anglais. J'ai Corey Hill aussi qui a été normalement sorti du squad pour blessure.
Ouais, je l'anticipe avec Josh Navidi. Allez. Oh, y'a pas touche. Non, j'ai réussi à faire la passe juste à temps, mais toi tu vas aller en touche. Non, toujours pas. Non plus. Mais tu vas perdre la balle. Eh oui, on le met à la fois. Que va-t-on faire du côté? On va aller en touche du côté gallois pour aller chercher le bonus offensif. Ça, ça picote. Oui. J'arrive pas à développer mon jeu. Pas de dégâts là, après ça t'as pas su Rigoy. Elle est bonne, je crois qu'elle est bonne. Et le mol, le mol pour Josh Navidi. Et non, allez, Gareth Davis, Josh Adams et George North pour le quatrième essai. Si ça va qu'à trop glisser. Aïe. T'as mangé du lion ce soir, Rick. Oui. Bon après je joue avec les grosses équipes face aux petites aussi. Hein, on va être honnête. C'est un peu mieux. Je sens les 69 en défense dans la stat quoi. Ah oui. Ça se ressent genre au plaquage. Ouais, c'est vrai que quand je te casse beaucoup de plaquage, je suis en train de calculer. Ouais, les Fidjans, bah, Paco aussi, le placement des joueurs est très mauvais. Ah, tu vois, ça joue le placement des joueurs dans. Ah, ouais. Je pense. Oh, attention. Oh, Dan Biga. Oh, le petit jeu à suivre. À la course. Radra un peu. Je pense que les Gallois. Ouais, Lynn Jones. Josh Navidi. Dan Biga. Ah bien, ouais, c'est plus trop les mêmes niveaux qu'avant. Donc, de quoi? Je pense que le Pégal va gagner sans le bonus, mais les Fidjiens, c'est plus le même Fidjiens. Sans le bonus? Pour moi, ils vont mettre 4 essais aux Fidjiens. Non, c'est le seul ballon que j'ai. Sans déconner. Et George North, ça ne pardonne pas avec George North. Après, je sais pas si mettre l'équipe type, ça peut changer. Hein. Mettre la meilleure équipe. Parce qu'en fait, c'est le bonus. Mais alors, on n'a pas encore eu la compo galloise, alors on fait la vidéo. Compo, mais... en fait. Les Gallois. Parce que le banc n'est pas. C'est logique que c'est un banc en même temps. Et moi, je connais pas. Et les seuls, Gonéva. Gonéva, c'est non, mais vraiment, les États-Unis, c'est meilleur que les Fidji hein, à jouer. Après, les Gallois sont meilleurs que les Français aussi. Oui, c'est vrai. Eh oui, bah oh, c'est bien fait. Oh, tu as réussi. Non. Non. Oh là 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 là, mais on part sur des records ce soir. On part sur des records. J'espère bien réussir à marquer quand même. Ouais. Est-ce que tu vas faire une T-Rex et marquer 0 points? Ouais. Peut-être. C'est incroyable. Alors, comme les Russes, comme les... Comme les Russes, les Américains ont réussi à marquer un essai de dernière seconde face aux Anglais. Je préfère jouer les États-Unis. Ah bon? Pourtant quand même, t'as une ligne d'arrêt. Après, le truc, c'est que t'es tellement bouffé. Et comme tu disais, tes stats défensives, je crois que c'est terrible en fait. Ouais. Bah, et défensivement, c'est terrible. Ouais. Je transperce à chaque. Oh non! Je transperce presque à chaque fois en fait. Ouais, là, t'as une bonne mêlée. T'as un bon lancement de jeu. Ouais, c'est le moment pour moi de faire un perfect en mêlée. Allez. Surtout que là, ça devrait aller. J'ai pareil, j'ai des stats pourries en mêlée. Ouais, Allez. T'as l'air d'être parti pour la conserver. Est-ce que tes arrières vont enfin pouvoir faire quelque chose? C'est un petit lancement. Derrière Fidji. Hein. Les Vanille Botia. Il l'attend de la petite passe supplémentaire. Elle est dangereuse. Oh. J'ai pas le temps. Oh, George North. Tu vois là, ses plaquages cassés. Ouais, qui casse. Non. Oh, attends. T'aurais pu tenter Sophix, Sophia Williams. Aïe. Le coup dur pour les Gallois. C'est terrible. C'est terrible pour le Pays de Galles. Toute une nation. Ils ont gagné, en pleurs. On a pris un essai contre les Fidji. C'est triste. On est contre On limite la casse. C'est comme la grosse surprise, c'est 0-1 qui m'a fait. Je t'avais mis combien moi, 42-0 ça avec l'Irlande? Ah oui, tu m'as mis face Irlande-Japon, tu m'avais mis un... Ouais, c'est ça. Ça c'est vrai que c'était un peu la revanche de ce match. La vengeance, t'as pas qui se mange froid. Ouais. Mais attends, sur la... ça y est, il a commencé. Ses arrières ont commencé à mettre la main sur le ballon. Et ça fait plus la même. Non voilà, on est pris avec Liam Williams. Heureusement, il y a Jonathan Davis qui vient là. Oh, il n'y avait pas trop de soutien. L'arbitre a rien dit. Il faut éjecter maintenant. Solo. Matavesi, Mafu. Gonéva. On gratte pas. Domani. Faut mettre de la vitesse toujours en Botia. Botia intervalle. Non, on peut pas. Ça revient. Est-ce que tu vas faire la remontada?
Il reste trop peu de temps. C'est un match de 15 minutes, hein, pas 10 minutes, donc t'as du temps. Yes. Liam Williams qui vient déconcentrer Ben Vola Vola. Ça passe tranquillement. Ils se retrouveront d'ailleurs, Ben Vola Vola. Vola et Liam Williams, où? Où? Au Saris? Eh oui, non. Coupe d'Europe. Hein. Saris, ah, oui. Racing. Ah, oui. Ouais. Après, Vola Vola sera peut-être pas titulaire. Grosse raclée au Racing. Non, mais Radra, t'es nul. Ouais. C'est un peu déconcentré. Ça fait chier, ça. On attend de voir parce que des fois les années se suivent et ne se ressemblent pas. Attention. Ils arrivent. Ah oui, il y a Mais oui, cette poule elle est terrible parce qu'il y a le Munster non dedans. Oui. Attends. Ah oui. Je sais que la poule elle est terrible. Ça, c'est Saracens, Racing et un autre gros. Oh, mais attends, elle est pas mal cette mêlée. Non, non, concerne. Vas-y, si. Alors. Allez, Adley Parks. Oh, je pensais que t'allais anticiper, mais c'est pas grave. Dan Bigard et Jonathan Davis. Oh non. Voilà. C'est pas possible, il rate son duel. Passe la barre des 40 points. Tu veux que je dise ? Alors, secrétaire vas-y, répète. Tu peux redire ? C'est le Munster, Ospreys, Racing, Saras. Voilà. Oh, il est pauvre, les Ospreys. La poule. La poule galloise va prendre. L'équipe galloise de la Coupe d'Europe va prendre ma chère. Ouais. Allez, un essai 42-21, ça piquera pas au score. Ça pique un peu quand même là. 42-14, oui. On va pas se le cacher. Ça pique. Oui. Alors que 42-21, ça ressemblerait plus au match Australie-Fidji d'ailleurs. Ouais, c'est à peu près ce score. Italie-Namibie aussi. Mais non, t'as cru que j'allais jouer au pied. On te perd sur la défense à chaque fois alors. On se fait gratter par Gonera. Mais c'est pas possible, voilà, faire l'idiot. Hein. Karma. Et est-ce que tu vas avoir le temps de taper pour qu'on ait une dernière action? Je pense, ça sera 15 minutes, oui. Je sais pas si c'est à 78 que ça se TP. Non. Arrête, elle va nous faire une. On va avoir une dernière action, 42-21. Est-ce que tu veux marquer le bonus offensif? C'est ça. Ce serait beau. Oui, il y a un bonus. Ça serait beau. Oui. Allez. Ce qu'ont fait les Fidjiens dans leur première défaite face à l'Uruguay d'ailleurs. Double bonus. Alors double bonus il pourra pas parce qu'il sera quand même pas mal d'écart. Ouais, mais est-ce que je peux marquer autant de points que j'ai mis face à T-Rex? 49 points. On radradra. Attention. Il y a Liam Williams, on est pris. Non. Mais c'est pas possible. C'est pas possible les Gallois. On se déconcentre côté Gallois et voilà. On aura fait un bon retour. Ça va. J'aimerais limiter la casse. On évite la fessée. C'est quand même une petite fessée. Hein. Bon, on en a pris 40 quoi. Oui, voilà, t'en as pris 40. J'ai l'impression qu'il y a la défense et l'attaque quoi. Oui, c'est ça. Vraiment ça. J'aurais mis 4 essais, j'aurais gagné la deuxième mi-temps. Oui. Bon, bien joué. On se retrouve donc pour peut-être le match, toi et moi. Irlande-Nouvelle-Zélande. Ou Irlande-Afrique du Sud. Vers celui. Ah oui, vous allez faire ce match là. Bah oui, il aime bien jouer le Japon. Mais s'il aime bien jouer le Japon aussi, il pourra prendre le Japon. Face à la Nouvelle-Zélande, ça sera assez marrant. Ah oui, ça va. Là, je pense que tu vas voir, ça sera pire que Pays de Galles ou Fidji. Est-ce qu'il y aura Japon-Écosse aussi, Japon-Écosse Oui, Japon-Écosse, c'est à faire. On verra, je sais pas encore avec qui. On verra peut-être. Bon, merci à toi pour le match. Bien joué cette fois-ci. J'ai gagné pour une fois. GG.